C'est un culte d'action de grâce, mais surtout de supplication pour Ongoin Akamathias, maire de la commune de Cocody, et son conseil municipal. En prière, les membres de l'Assemblée des chrétiens du plein évangile demandent à Dieu l'intelligence et la sagesse afin que Ongoin Akamathias mène à bien son mandat et contribue au bien-être des résidents de sa commune. Cette démarche est inspirée des Saintes Écritures, notamment de la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. Dans ce livre, l'apôtre recommande que les chrétiens fassent des prières pour les rois et les autorités en vue d'une vie paisible. C'est Dieu qui établit les autorités et il faut les confier au Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que le mandat de notre maire sera sous la conduite de notre Seigneur. Ce 23 février également, jour anniversaire de leur hôte, les membres de l'ACPE ont voulu marquer le coup. Des présents dont la Sainte Bible ont été offerts au maire de Cocody. Sensible au geste, il n'a eu que des mots de gratitude à l'endroit des donateurs. Tout le long de la vie, le combat passé, nous sommes des hommes. Et nous sommes parmi les hommes. Et parmi les hommes, rien n'est aussi facile. Et c'est pourquoi je voulais encourager le président et ses collaborateurs à persévérer. L'Assemblée des chrétiens du plein évangile a 5 ans d'existence et ses membres ont saisi cette occasion pour présenter quelques-unes de leurs actions sociales.